on dit que la quantité va passer au Cameroun. Plus jamais. Hein? Plus jamais, grand. Vous êtes dans vos têtes. Non, plus jamais, grand. Hein? On a les étrangers qui sont là. Vous bloquez la route parce que vous avez perdu la quantité, vous êtes malade dans vos têtes. Non, grand. Hein? On a compris, grand. Vous êtes les seuls qui jouent dans le stade. Jamais. Ça va quoi arriver? Ça va quoi arriver? Non, non, ça va. Ça va arriver? Non, j'ai enlevé ça. Vous me connaissez bien? Non, grand. Que j'entends encore que quelqu'un s'est mal comporté parce que vous êtes les pénalités de votre. Ça! Comment on a pu perdre le match? C'est pas possible! Hé! L'Égypte! Tu nous as tué! Tu as tué le lion! Les Égyptiens sont quand même bons! Yeah. J'étais convaincu qu'on allait donner une de ces cancans bastonnants à l'Égypte! Mais les gars viennent nous faire ça comme ça! Sur nos stades qu'on a construit avec notre argent! Est-ce que les gens sont au courant que c'est pas facile pour nous de construire les stades? Les dettes qu'on a prises, ça doit être la magie. Parce que le pays, si elle vole, sera mal. Je sens que certaines personnes vont faire la prison ici après. Ouais. Caro! Jésus! La fille, c'est qui va me servir? Caro! Il y a quoi que toi, tu ne fais que bouder? Tu boudes quoi? Je te dis que j'ai faim depuis le matin, tu sais quoi? Tu boudes quoi? Il n'y a pas la nourriture, pourquoi? J'ai rationné pour la première fois dans ma vie. Quelle rationne 1500 pour que il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas la nourriture. Je ne sais pas que les lions ont perdu le match. Donc, quand les lions perdent le match, on ne mange plus. On ne mange plus. Tu manges que tu manges quoi? Tu manges que tu es content. Ok. Je ne manque rien. Donc, tu ne sais pas que c'est le sport. Ça, quoi, il faut. On te dit que même les lions ont joué au stade là. Comme ils ont perdu, ils ne mangent pas. Moi, j'ai fait ici. Je suis un simple supporter. Tu me fais demain, même à la fois quoi? Et quand on ne mange plus dans la maison ici, là, ici, ne vaut même plus la peine. Hein? Donc, attends. Tu vas y mourir parce que les gens ont perdu. Tu es sérieuse là? Je ne suis pas sérieuse comment? Tu n'aimes pas ton pays. Comment on peut gagner quand tu penses à la nourriture? La nourriture, c'est quoi? Et qui est? Tu peux arrêter ça. On ne mange pas dans cette maison ici. On ne fait plus rien dans cette maison ici. Rien. Donc maintenant, le Cameroun doit faire le carême parce que les lions ont raté les pénalties. Hein? L'autre jour, ici, c'est pas toi qui me disais que tu me vois Triton Geostar. Les gars qui font n'importe quoi là. Hein? Tu me disais combien il est mignon, il est beau. Parce que tu as vu les vidéos, les grands films qui tournent souvent. Est-ce qu'il a l'air? Il n'est pas l'air. Il est beau. Il est beau. Tu peux tousser. Il tire de ses cancans pénalties maintenant. Gagne les mangues. Bavade comme tu bavades là. Moi je t'ai dit, comme les lions ont perdu là, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. On ne mange plus. On ne fait. En tout cas, est-ce que. On ne fait plus rien. Attends un peu, tu vas me servir même là-bas, mon frère. On t'a quoi, Ivoire? Les gens partent mouiller parce qu'ils n'ont pas tiré les pénalties. C'est que mon problème, c'est quoi? Hein? Manger, je ne mange plus. Maintenant, le bavard, tu vas jouer avec. C'est à cause des gens comme vous, comme ça, qu'on a perdu. C'est à cause des gens comme vous. Tu n'as pas mangé pas de ton pays. Tu n'es pas criole. Patriotisme à quoi? À quoi il va vous mon couple? Vraiment, je ne sais pas. Les Camerounais, vous mettez les organes dans la fesse, c'est quoi? J'accepte. Vous partez souvent dans les pays des autres, là où vous remportez les cannes. Hein? Maintenant, le tout, à votre tout aussi, quand vient d'emporter une canne chez vous, c'est pour vous fâcher. On ne doit pas se fâcher comment? Ils sont là, ils passent le temps à dormir dans nos hôtels, ils mangent nos nourritures, ils vivent chez nous, ils exploitent notre air. Tu ne veux pas qu'on soit fâché? Quand vous partez souvent là-bas, vous faites comment? Hein? Pourquoi vous les Camerounais, vous avez le cœur comme le camion, le goumier comme ça? C'est quoi? C'est notre canne. C'est ici que ça devait rester. C'est ici que ça devait rester. Quand on a organisé, on a écrit votre nom dessus, Cameroun. Oui. On a écrit. Vraiment. Vous me décédez. Hein? Arrêtez ça. Hein? Là, tu m'énerves même. Comme tu refuses que moi et moi, je sois ici, ce que je viens faire, c'est que. Bon, ne te fâche pas. Moi, je parle donc. Je cherche là un peu manger au calme pour pouvoir boire ma bière au calme. Mon frère, je porte ce. Moi aussi, je porte encore le maillot. Ça veut dire que je les supportais. S'ils sont éliminés, je vais chercher juste le maillot de l'Egypte. Ok, tu as un maillot de quoi? Tu as un maillot de quoi? C'est quoi? T'as fait ta donne soir. Ok. Donc, c'est le jour. Tu as un maillot. Bon, ça va, je vais donc chercher le maillot du Sénégal. Pourquoi pas, mais. Tu es Sénégalais. Hé, attends. Il y a deux personnes au final, tu veux que quand il va au stade, je porte quel maillot? Eric! Eric! C'est quoi?
tout cas, tant que tu ne trouves pas un maillot dans notre pays, moi je parle chez toi. Je parle chez toi. Ça c'est quelle histoire ça? J'ai dit que le Cameroun est éliminé. On ne peut que partir avec deux maillots maintenant. Je fais comment? Tu es obligé de partir. Tu n'es pas obligé de partir. Attends. C'est dès que moi, personne ne sait qu'on a perdu. Terrible, c'est pas vrai ça. Comment tu, quand tu me parles, ça veut dire mépris? Mon frère, c'est moi qui jouais. Hein? C'est pas toi qui jouais. Tu me dis maintenant que je ne peux pas porter le maillot de notre pays par rapport à quoi? Tu portes le maillot de notre pays là pourquoi? C'est eux qui sont en finale. Ils sont en finale et pourquoi? Ça nous concerne en quoi? On a déjà perdu donc ça nous concerne plus en rien. Donc maman, ils doivent venir chercher. Là, ils vont aller jouer la finale là. Donc ça veut dire que tu cherches le maillot maintenant, n'est-ce pas? Comme on a éliminé le Cameroun, les stades seront vides. Bien sûr. Quand vous jouez souvent, les finales dans les pays des gens, les stades sont souvent vides. Ça me concerne en rien. Te voici ici, tu m'en peux charger, tu dis que je ne mange plus, tu dis que le bas ventre, tu vas sévrer. C'est le cas de quoi? C'est le cas de quoi? En tout cas, lorsque cela nous. Moi j'ai pris mes cannes là. Voilà ton téléphone qui sonne là-bas. Vas-y. Voilà mes cannes. Ça c'est l'Égypte. Ça c'est le Sénégal. Tu as compris, non? Comme vous. Je te dis, la cantine, non? La cantine est amère et sucrée. Vrai. Il y aura des mauvais comportements. Une femme, tu refuses de la nourriture à ton homme. Quand il sera amer et sucré pour vous, c'est quoi? Vous ne pouvez pas accepter que d'autres personnes aussi puissent gagner. Ils gagnent où? Dans quel pays? Dans votre pays. Dans vos stades que vous avez construit avec votre argent. Quelqu'un est la fin. Vous avez vu, j'ai joué. Celui-là, les portes, quoi? Oh, il soit. Le gosse, tu sais, mais quand moi, au calme. C'est quoi? Et si chez nous, on vient nous battre sur place? Non. Personne ne va plus chanter. À partir d'aujourd'hui là. Vous voyez, personne ne va plus chanter. Oh, tu chantes quoi? Arrête-toi d'abord, c'est quoi? On nous dit, tu chantes, donne-moi d'abord ça. Tu as la joie, quoi? Donc, tu as la joie, non? Donc, je fais comme ça, tu chantes quoi? Tu te massacres au Cameroun, tu chantes comme ça. Passe comme ça. Elle n'est même pas camerounaise. Les gens sont là en paix, le maire est là, il chante. Donc on rate les demi-finales parce que tu viens chanter en passant. Qu'elle te voit même encore passer ici là. C'est quoi les gens comme ça là qu'on a perdu ce match hein? Qui a envoyé même les jibes à la canne? Qui les a envoyés dans notre canne? Regarde, c'est qui là? À partir d'aujourd'hui là, personne ne passe plus. Aucun Camerounais ne passe là. Oui, c'est mieux. C'est pour rester chez nous, on reste ici là. Et si c'est notre terre, c'est même quoi? Chaque jour. Non. Là, personne ne passe plus. Ciao. Ok. Comment la cantine est sucrée à mer comme ça? C'est comme si on avait vraiment prévu de perdre la cantine. C'est quoi? Oh. Comment tu vois ici? C'est quoi? On a perdu le match. À partir de maintenant, personne ne va plus passer cela. On ne peut pas accepter ça. Vous dites que? On a perdu le match. Et là, non. Personne ne passe. Personne ne passe plus. La route est bloquée. Oui. Donc, ça veut dire que quand on a perdu le match, tu ne peux plus passer comme ça. Tu ne peux plus passer. Personne ne passe. Cherche une autre route. Oui. Ici là, non. Ici là, on ne passe plus. Donc, vous les Camerounais, tout vous appartient. Oui. La CAN, comme vous avez organisé, c'est pour vous. Hein? Mais c'est vous bloquez les routes. Hein? J'ai vu hier sur une vidéo. Vous brûlez. Vous pouvez fabriquer le bouchon. Hein? L'enfer, c'est pour vous là-bas. Nous, non. C'est pour moi. À partir de maintenant, c'est là, pour moi. Personne ne c'est passe pour plus. Moi. On a perdu la c'est CAN. Pour... C'est pour moi. C'est pour moi. Hein? C'est pour moi. Donc, vous venez pour quoi ici? On a perdu. Donc, quand vous avez perdu, ça veut dire que. On a perdu la canne. On a perdu. Quand fait, quand tu sommes mis à la machette, pourquoi tu n'as pas sorti la machette au stade pour qu'on tape l'Égypte? C'est comment que? Plus grande. Donc, c'est à moi que tu poses les grandes questions. Donc, tu ne peux pas aussi dire aux grands marabouts chaque jour. Sur nos chaînes de télé, on voit les grands marabouts, non? Hein? Pourquoi eux-mêmes ne sont pas allés faire la force magique là-dedans, au stade? Hein? Chaque jour, on dit que les Camerounais sont sorciers. Hein? Pour te sorcier, là, c'est là que vous tuez les gens. Mon petit, tu me donnes les directives sur mon machette. Hein? Tu fais un ministre au stade, pourquoi tu tapes même les grands frères? Mon petit, les pharaons de l'Égypte viennent nous gagner sur place. Tu es malade, tu ne fais pas ça. Il manque. Quand toi-même, tu vois, les marabouts chaque jour sur les chaînes camerounaises là, ils disent qu'ils soignent, ils font ceci, n'est-ce pas? Pourquoi ils ne font pas la magie là contre les gars là? Hein? Donc, vous venez ici là, vous arrivez ici. Hein? C'est ici que vous venez bloquer la route.
Parce que tu as perdu la carte. À part toi qui peux encore passer, une autre personne ne passe. Tu es fou. Ici. Personne ne passe. La perdu. Personne ne passe. Tu es fou, l'enseigneur. Aïe, gars. Là où c'est là, non. Les gens vont passer. C'est quoi? Ferme ça. Ferme ça. Vous savez pas que l'année prochaine, il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Hein? Il faut aller rencontrer là-bas. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est le même pays. Vous comprenez, non? L'année prochaine, c'est vous qui organisez. Donc, allez remporter là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Donc, je parle, tu reportes. Tom, toi, je veux le son de Nyangon. Là, comment c'est bon? Pour une fois, Nyangon a chanté jusqu'à Onayamo. Mimbon, là, tu as vu, il se comporte d'une façon bien. Il a finalement compris que, comment il s'est changé? Tu ne peux pas te balader avec les culottes bizarres partout. Il a fabriqué une culotte vert ou jaune. Il est quand même un gars un peu intelligent. Tous les Camerounais qui se battaient dans les champs bizarres ont quand même chanté pour la CAN. Hmm? Les rues sont propres. On a quand même fait, on a fait l'effort quand même d'essayer de mettre la peinture sur le goudron. Hein? Les enfants, si vous êtes gâtés, vous êtes maudits. Hein? On n'a pas la victoire. Tout ça. Quand vous êtes mal intentionnés comme cela, quand ils étaient changés, cachez ça dans vos maisons. Comportez-vous pour une fois comme des gens qui peuvent être aussi bien. Dès que les étrangers vont partir, vous êtes devenus comme. Vous êtes souvent. Grand qui? Grand bandit? Ah ouais. Fais malade. Chez nous, on va nous attendre ici. Donc, tu parles encore. Hein? Normal. Là où c'est là, non. Je ne peux pas quelqu'un parler de moi entièrement. Vous comprenez? Je suis un Camerounais. Vous comprenez? Tu es combien? Je suis un Camerounais. Moi, je suis Nigérien. Non, grand. Hein? Je suis aussi africain. Je suis un français. Grand. Je suis un malade. Tu es malade. Nous sommes perdants. Et alors? Quand vous l'emportez soit n'importe où là, ils ont soit aussi mal. Mais c'est terrible. Hein? C'est terrible. Quand vous vous comportez comme des animaux comme ça là, vous les regardez. Attends, vous n'êtes même pas un peu conscient. La terre entière vous regarde. Le monde entier vous regarde. Hein? D'accord, frère. D'ailleurs, ici là, les trois gars qui ont raté les pénalités là, on les attend ici là. On les attend ici là. Tout la barrière que vous voyez ici là, c'est pour eux, c'est même pas pour les autres, c'est même pas pour vous les gens du quartier, c'est même pas pour vous, c'est pour les trois gars là, les sociaux ont raté les pénalités, pourquoi? Ils ont raté ça pourquoi? Gars, on les attend ici. Dieu qui te m'a manqué n'est pas pro, c'est un mouilleur grand frère, tu n'as pas vu. Le gars tiré en brousse, grand frère, les nez. Il manque un, tu as les nez. Gars, j'ai les nez. Tu veux voir quelqu'un qui a les nez? Non, grand. Donc, les gars ont joué du premier match jusqu'à en quart de finale. Chaque jour, je vous voyais jubiler ici là. Maintenant, comme ils ont perdu. Vous allez faire une fausse barrière pour bloquer le bus. Hein? C'était le passé. Hier, on était en demi-finale. Ils ont tout gâté. Mon petit, si tu ouvres encore la bouche quand je parle, hein? Ce sera la dernière fois. Grand frère, c'est comme si tu n'es pas Camerounais. Je ne sais pas quoi. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? C'est comme si tu n'es pas Camerounais. Je te montre que je suis Camerounais. Non, grand. Tu ne peux pas commencer le gros cœur. Hein? Mais seulement vous exagérez. Hein? Quand la. Vous avez créé la canne. Hein? Vous devez organiser seulement. On ne peut pas perdre devant les gens. Petit. Non, grand. Petit. Oui, grand. Tu as mouru. Non, grand. Non. T'as fait. Là où c'est là, non. Chez nous. La on les attend ici. On les attend ici. Tu dis quoi? Chez nous, on les attend ici. Ah bon? Oui. Et toi, tu? Et toi, tu? Pourquoi ils ont pu perdre ça? Pourquoi ils ont pu perdre ça, grand frère? Ils ne pouvaient pas. Depuis que tu as été regardé là, tu as joué au foot d'abord. Comment pas? Tu as joué au foot d'un jour. On a l'équipe nationale, mais il n'y a pas les bons tireurs. Pourquoi même? Ouais. Tu peux tirer penalty. Le coach là. Tu peux tirer penalty. Hein? Grand, je ne sais pas, mais. Depuis que tu es né, tu as touché au ballon. Grand, il touche souvent dans les rêves, mais. C'est d'hier, c'était pas les rêves. Tu dis quoi? Que je ne suis pas Camerounais. Je suis africain, mon petit. Tu as compris, non? Arrêtez-nous les polémiques bizarres à deux balles là. Tu me suis? Quand c'est que quelque chose se passe chez toi, tu dois te comporter comme une. Tu dois faire semblant que tu es un ange. Même si tu es un petit démon intérieurement. Vous, les Camerounais, vous êtes d'abord malheureux dans la base, mais je ne veux pas ça. Cachez-moi ça dans vos maisons. Si, voilà la finale qui s'annonce. Hein? Si la fête n'est pas belle parce que vous n'êtes pas qualifié petit, je vais vous tabasser dans les rues. Vous dites cela. Que j'entende que quelqu'un a encore soulevé seulement son petit bloc, vous voulez brûler, vous bloquez les routes. Vous comprenez? Il veut vous tabasser, mon monsieur là. C'est quoi? Vous ne pouvez pas perdre. C'est que là, il vous a dit de rater les pénalités n'importe comment. Voilà même l'autre qui a. Comment il s'appelle? Celui qui a envoyé le pénalty à côté là. Ton frère. Non, c'est pas mon comme frère. Comme tous les grands films là. Non, c'est pas mon frère. Si vous ne connaissez pas jouer, non. Et c'est ceux qui savent jouer. Tu me suis non? Au niveau que vous avez joué là, non? C'est bon. Tout le monde a vu. Mais vous n'avez pas été mérité. Il faut que tu parles mais le coach camerounais. Le coach a combien? Le coach, non, tu peux parler ça au coach. Je grand. Connais comment faire pour arriver là-bas. Tu me fous dans ta tête. Tu veux pas les choses qui me dépassent.
Mais quoi? L'Égypte nous a manqué le respect. Mais venez encore ici là, bande de malades. Quand vous arrivez ici là, donc comme vous avez organisé la canne, ça veut dire que ça vous appartient. Vous ne pouvez pas perdre comme tout le monde. Vous partez sur les pays des autres là-bas, vous l'emportez, vous êtes content. On vient vous fouette, vous brûlez les routes. Hein? Vous créez un scandale. Vous viens me mettre ceci. Hein? Moi, si vous êtes là. Les Camerounais sont terribles. Ils ne veulent jamais perdre. Ils ne veulent jamais perdre. Jamais. Même une petite canne, c'est pour eux. Révélant quoi ici? Une canne de ronce sucrée en main comme ça. C'est terrible. Hein? Ah, bro, ça commence. Ça va. Je vois les peignards là, ils arrivent ici là. Ils viennent bloquer la route ici. Ils me font comprendre que c'est parce qu'on a perdu la canne hier. Et je dis, je peux faire un truc à quelqu'un comme ça, c'est pas bon. Ça va. Ça lui quoi la main? C'est aussi pour la canne que tu as dit ça. Je dis que. C'est la canne. Je te jure au nom de Dieu. Ah, c'est pour ça que tu t'es blessé. Parce qu'on a perdu. Tu t'es blessé. Justement. Tu t'es blessé pourquoi? Je me suis blessé pourquoi on m'a égratigné. Parce qu'on a perdu. Mmh. Donc les gars qui faisaient le bruit là, ça s'est coupé. Donc vous ne pouvez pas perdre. Ça vous enlève de perdre plus. Non, on doit perdre, mais il y avait trop de bousculades. Trop de bousculades dans la foule. Ah, c'est important, mon petit. Tu vois, dans la vie que tu vois, sinon, quand vous perdez, comme vous avez perdu là, là vous ressentez ou ce que les autres ressentent, soit quand vous partez gagner la canne chez eux. Hein? Vous n'avez pas besoin de faire que vous commencez à brûler les choses. Vous faites des dégâts, vous faites... Non. Non, moi je n'étais pas dans les dégâts. Tu étais dans quoi? J'étais justement en train de sortir de Bolembe. C'est tout? Puis j'ai eu... Donc tu étais pas parmi les cassas qui a arraché les sacs qui voulait non, faire le non, chemin? Non, moi je ne suis pas... Ok. Moi je suis un débrouillard, je me bats dans tout ce que je fais. Non, c'est bon. Parce que j'ai décidé que si je vois quelqu'un qui fait le désordre, parce que tu sais, comme la finale c'est dimanche, non? Ils sont en train de chercher, il me faut le maillot de l'Égypte. Faut comprendre, non? Ou le maillot du Sénégal. C'est eux qui sont en finale, non? Mmh. Ma femme me dit à la maison qu'il faut que je porte le maillot du Cameroun pour aller supporter encore les... Est-ce que le Cameroun est encore en finale? Non, mais le Cameroun est toujours... Le Cameroun doit discuter la deuxième place. La troisième place, vous voulez c'est dire. La troisième, mais en finale, est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous êtes mauvais? C'est vrai. Hein? On a perdu, c'est pas un drame. N'est-ce pas? Qui est mort? C'est le sport. C'est le tu comprends, non, bro? Oui. Ah, non. Tu as la canne aussi, non? Voici une canne, bro. Ça va t'aider. Oui. La canne, sinon... Elle sera mais sucrée pour nous, mais ça va, c'est ça le sport. Attends, tu vois, attends, ta main est à découper. Non, prends tout. Attends, casse d'abord. Ouais. C'est la magie, non? Hé, hey, mon bro, ça va, ça va être perdre la main rien que pour une canne, mon frère. La canne, c'est ça mais sucrée pour nous. N'est-ce pas? Ensemble, non? Ouais. Ne pas peur, tu ignores rien. Hein? Yes. Votre pays, village. Elle n'a pas.